dont tu veux l'orange. Hein. Sanguine de Corse. Alors. Non, pas celle-là. Je sais plus où on a mis. Montagne Corse. Voilà. Montagne Corse. Donc là, comme c'est pas très très gros, je vais prendre sur le haut. Donc je coupe un peu le haut pour le pas. Tu me dis là. Et je prends trois yeux. Le nom de ta greffe. Oui. Donc la greffe, c'est plaquage de côté à languette courte. C'est ce que tu nous as dit. Plaquage de côté à languette courte. Voilà. Donc une fois que mon greffant est taillé. Je prends mon porte-greffe est taillé. Je prends mon greffon. Tout le monde filme en fait. Il faut le faire tourner pour faire. Il faut faire un plat. Donc le plat, on peut le faire ici, mais comme le bois est pas rond, je vais le faire un peu là parce qu'il faut s'arranger avec les choses. Ça sera plus large. Voilà. Donc. Donc ce qui est important dans cette affaire, c'est d'avoir quelque chose de plat. Donc, de l'autre côté, le bison, le contre-bison. Et la pointe. Voilà. Donc, le greffon. OK. Vous le dites. Ouais, là, c'est bon, c'est impeccable. Bon, maintenant, on vient le présenter ici. Donc, on vient le présenter. On le présente sur le porte-greffe et on sait qu'il faut faire une entaille jusque-là. Donc ici, 3 mm au-dessus, je fais quelque chose qui ressemble à mon contre-biseau. Là, c'est piquant. Hein. Et donc maintenant, je viens faire le plat qui est... Voilà. Et donc ici, maintenant... Voilà. Voilà, donc... Attendez, je cherche mon paraffine parce que je l'ai trouvé. Ça tient tout seul. Donc ici, je prends un bout de film. Alors c'est pas n'importe quel film, hein, parce que les autres ne laissent pas passer l'œil après. C'est le gros problème des autres films. Oui, il faut que ça perce. Ouais. Donc ici. J'entoure la greffe et le greffon. Ok. Et oui. Sinon, ça se déchasse, sèche. Voilà. Donc là, j'ai fait comme une micro-serre autour de la greffe et du greffon. Je prends un élastique. Et D'accord, et l'élastique après. Ouais. D'accord. L'élastique, il vaut mieux. Le paraffine contre l'écorce, il n'y a pas de réaction chimique. D'accord. Avec les élastiques, quand on mettait du scotch avant, on mettait du scotch électricien quand on n'avait pas d'élastique. Ouais. Et le scotch électricien, on sait, ça vient de Chine, on ne sait pas, mais ça peut attaquer l'écorce. D'accord. Voilà, donc là j'ai bien tout entouré mécaniquement. Maintenant, je l'attache. Voilà. Donc la greffe, elle est terminée. Donc là, quand les yeux feront 15 cm, quand les pouces, il faut couper l'élastique et l'enlever. Le paraffine, on ne le touche pas. Il va se désagréger, il va partir. Mais ça équivaut à combien de temps à peu près? Dans 3 semaines, ça dépend. Elle doit avoir prise, et il faut 15 jours de plus pour qu'elle pousse. Tu l'enlèves pour que la sève passe un peu mieux. Oui.